C'est un jeu moldave. Confirmation. C'est un jeu moldave. Non, la Roumanie a pas de, t'sais, il a pas de symbole dans le jaune. Il y a pas de symbole. Il y a pas un dessin. Ouais, c'est bien la Moldavie. Donc c'était un jeu à contacter les développeurs direct. Donc c'était bien. Putain, GG John, hein, franchement, trouver la Moldavie. Moi j'ai pensé tout de suite en or parce que c'est les bonnes couleurs et c'est le bon ordre. Mais Because of aliens, you will have frequently hallucination à in clear view. D'accord. Ah, déjà la ville elle est un peu bizarre. Hein. Une statue démoniaque. C'est les satanistes contre les aliens. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Allô? Quoi? Allô? Hein? Ah, là, il y a des petits effets sympathiques là. Oui! C'est moi, il y a une tête, tête qui vole. C'est pas un bug, c'est une hallucination. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Oula, il y a des reflets. Ah, il y a une course d'endurance déjà. Qu'est-ce que... Ah, est-ce qu'il va y avoir des objets... Wow, qu'est-ce qui se passe? Le son, il est un peu trop fort encore. Le son est un petit peu trop fort. On va le mettre à 12. Hein? Mais attends, mais à chaque fois que j'appuie sur la porte, il y a... Je comprends pas, les vaisseaux extraterrestres, ils rouillent. Je vous assure, à chaque fois que je m'approche et que j'appuie de la porte, il y a ça. D'accord. C'est pas par là. Calme-toi le jeu. Allô? Allô? Je suis probablement en béton. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi j'ai rebaissé. Ah, j'ai mon rythme cardiaque qui... Qui pète un câble, non, voilà. Je suis pas sûr. Ah! Ah, bah d'accord. J'ai rien compris. Bah t'inquiète que la touche de course, je l'ai vue tout de suite. Je l'ai vite trouvée. Ah, déjà, il y a un peu plus de recherche. Il y a un peu plus de recherche dans le. Dans la DA. C'est écrit quoi là? Danger hazardous voltage inside. Hein? Où ça? Ah, mais il y a une centrale électrique. Lol. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il y a tout qui est rouillé, j'ai pas compris. On peut monter? Ah, merde, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je prends des dégâts? Ah, je devais être vraiment dans une zone qui était dangereuse. Attendez, pourquoi sur ma map... Regardez en haut, il y a deux triangles, pourquoi? C'est quoi le deuxième triangle? C'est objectif? Attendez, j'observe. Non, c'est un bug. Je sais pas. Je crois que le jeu, il... Ça, il a l'air bien, le jeu. Je crois que lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Ah, attendez, si on va courir dans les champs. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas les tuer. Waouh, 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 il y a une tête. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse monter les échelles, donc on va se casser. Putain, mais on se dirait dans un jeu... Dans un jeu thaïlandais, là, il y a des têtes. Mais je peux pas sauter. Non, je peux pas sauter. C'est un jeu thaïlandais, il y a des têtes volantes. Au secours. Attends, là, je perds d'avis, là. Pourquoi? En fait, il y a des zones délimitées. Si je vais dedans, je prends des dégâts. Mais sans aucune raison. Wow. Je prends feu là? Ah putain, il y a eu un effet de reflet là. Ah, y a ça. J'ai cru que je prenais feu là.
quand je... Regardez, je fais ça, non? Il y a un trigger. Il y a un trigger, en fait, qui se remet en place. Alors, attendez, on va essayer de pas sortir des délimitations qu'on m'a données. Ah, c'est des oiseaux, là! Ah, bah... Ah, l'oiseau est tombé dans l'eau. C'est l'hélicoptère? Non? Non, c'est le son du jeu. C'est le son de l'ambiance. Pour l'instant, c'est 10 sur 10. Hein. 10 sur 10, le jeu. Alors, je suis pas sûr. Je vais tenter à droite. En longeant comme ça, là, ils m'ont pas vu. Pas vu, pas pris. Merde, je prends les dégâts, c'est ça? Mais je comprends rien. Bon, c'est pas par là. Apparemment, c'est pas par là. Je respecte pas les normes de sécurité. Faut pas passer derrière les barrières. Mais on peut pas sauter, on peut rien faire. Mais... Quoi? Hein? Je peux hocher de la tête? D'accord. Ah, ça, c'est un gros euge, hein. Un gros euge à pas cher, j'espère. 10 sur 10, mais tu peux expliquer la notation? Ah, bah, bien sûr. En fait, j'ai un système de notation Baraka Frites, en fait, où je commence à 10 sur 10. Et plus il y a des défauts, et plus je retranche des points. Donc, pour l'instant, moi, c'est 10 sur 10. Hein. À part que j'ai pas compris par où fallait aller, mais. Bah, attendez, j'ai su. On va essayer de monter ça. Ah, on peut. Ok. Est-ce qu'ils peuvent, eux? Quoi? Hein? Ok. C'est une hallucination, vous inquiétez pas. Ah, je vole! Je vole! Ah, est-ce que ça, c'est une hallucination aussi? Le fait que je vole? Oh! Hein? D'accord! Je perds de la vie ou pas? Non, ça va. Ah si, merde. Ah merde, merde. Ah, faut que je retourne de l'autre côté. Non. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que la vie? Ça va, là, je suis dans une zone acceptée. Même pas, putain. Bon. J'ai déjà glitché, hein. Est-ce qu'on retranche des demi-points par dizaine de morts? Ah non, faut pas quitter les rails, c'est plutôt... Ouais, là, je suis un peu plus déçu, déjà. Ça a l'air d'être un train fantôme, le début. J'ai pas trop le choix. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit même pas pourquoi on meurt. Si on se prenait des petites gerbes d'électricité, je comprendrais, mais... Donc voilà, on peut pas les tuer, donc on grimpe. Merde! Mais... C'est abusé, ça. Alors, attendez, je vais essayer d'aller doucement sans courir. Ah bah non, je vole. Bon bah, c'est parfait. Alors par contre, je vole, mais... Quoi? Vous envoyez un cadeau. Je vais vous envoyer un cadeau. Nice, nickel. Si je devais voter, on serait très bas. Non, mais attends, on va laisser une chance au jeu. On va laisser le jeu s'exprimer. Nous dire ce qu'il veut de nous. Enfin, tenter de nous dire ce qu'il veut. En fait, ça, c'est... je suis une Christiadaque et c'est tout, en fait, non? Attends, non, t'éloigne pas du chemin. T'éloigne pas du chemin. Fais pas le fou, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas éloigné du chemin, c'est faux. Je vérifie ma barre de vie en bas, parce que... Ah, je me fais bouffer! Je me fais bouffer le huc! Je me fais bouffer le huc! C'est un sans issue! Là, c'est vert, c'est le bon chemin. C'est moi qui respire comme ça? Un petit problème de bronchie. Une petite bronchite aiguë. Ah, mais c'est moi tranquille là! C'est bon. Je gère. Je suis à l'intérieur, je suis safe. I'm gonna
Ok. Voilà. Je sais même pas où je vais. J'espère que j'ai rien raté parce que attendez. Je me méfie du jeu. Peut-être une arme à choper. Ouais, musique est s'énerve. S'énerve la musique. Je commence à 0, je rajoute 0,5 par défaut. On est à 56,5. Sur 10, ah c'est pas mal. Quoi? C'est un ennemi ça? What the fuck? Je sais même pas ce que c'est qui m'attaque. J'ai un slime qui m'attaque. Qu'est-ce que c'est? C'est un slime qui a une tumeur sur le côté. Je sais pas. J'essaie de comprendre ce que c'est. Attends, si je fais le tour là comme ça. Là. Qu'est-ce que c'est qui m'attaque? En tout cas, il y a de l'imagination là. Je sais pas ce qui fait. Me fait bouffer le filon. J'ai essayé d'accélérer, mais attends que j'accélère. Wow, le jeu. Allez là. Allez, allez. Et petit coup d'accélération là, petit coup d'accélération là. Je pousse, j'espère qu'il y a des checkpoints. Il y a une croix sur le radar en haut. Ah, c'est bon, on va y aller. Mais merde, je me fais bouffer le cul quoi. Bordel. Là. Ça fait quoi ça? Ah d'accord, zone 2. C'est quoi le cadeau? Gruik. Ok. Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. GG. Bah ouais, GG. On a fait le stage 1. Alléluia. Ah. Quoi? Je suis pris un pied dans la gueule, je crois. Attendez, C et N? J'ai pas compris. C'est Outlast! C'est Outlast Low Cost! Pourquoi Q? Ah, je vous préviens, Q ça fait rien. Ok, la vision nocturne. Parfait. Qui est un simple. Oh, quoi que ça le fait, hein, franchement. I'm gonna kill you. C'est bon, y'a personne. Tu crois que quoi? J'ai vu un truc. C'est quoi l'œil au-dessus là? Merde. Ok. C'est la maison hantée de Disney. Encore, elle est mieux la maison de Disney. Ça fait la même chose, hein? Quoi? Je prends des coups là ou pas là? Chapisento. Chapisento. C'est la suite, ça. Il y a un truc qui vole là, non? Allô? Qui essaie de me faire peur? Wouh! Ouais, c'est un petit peu la maison fantôme. Merde, putain. Je suis tombé, je peux plus revenir. Ah merde, je suis dégueu. Je voulais fouiller. Outlast Seal.
Attendez, j'ai gardé mon truc là parce que je vois que ça se recharge. Je suis fait attaquer par des fantômes de lapins. De lapinou. Lapinou le lapin. Allô? Ça a dû s'effondrer derrière moi. Oula! Il y a de la caisse qui tombe. Hein. Ouais, il envoie des jeux marrons. Mais Sester, il a pas le pif, Sester, pour les... Wow, ça bouge! Je suis décalé quand ça bouge! Au secours! C'est rarement la maison fantôme, hein. Oula, oula, oula! Oh putain, le son saturé, quoi, des enfers. On va grimper, hein. J'ai survécu à une invasion extraterrestre, à la maison hantée de la caverne. La caverne de... Comment ça s'appelle la caverne de Gré... Comment ça s'appelle la caverne de Lascaux. Ah, c'est comme ça la caverne de Lascaux. Bah dites pas non, vous l'avez jamais fait. C'est la seule caverne que je connais, hein. Là je balance. Oula. Putain, par contre, ils ont pété un câble sur la saturation. Oh. Oh. Je peux la prendre? Tu as fait Asco? Pour la première fois cette année, ah. Les grottes de Lascaux. Alors la caverne, c'est à côté des grottes de Lascaux. C'est une petite caverne, vous voyez, c'est comme ça. C'est pour... Il y a un peu moins de crâne humain de 50 cm de haut, d'ailleurs. Est-ce que vous avez fait les catacombes de Paris? Moi, je l'ai jamais fait, finalement. Pourtant, j'habite à Paris. En fait, c'est de la merde. Oula, 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 je vais bugger dedans, attendez. Où je vais bugger dedans? Lascaux 4. Attends, il y a vraiment 4 grottes de Lascaux. Putain, mais ça gueule de ouf. Salut Ninja, comment ça va? J'espère que tu apprécies Ninja ce jeu offert par Saster. C'est un jeu de qualité. Un jeu de qualité. Il se passe des choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, par contre, là, si je suis bloqué. Ah! Ah! Ah non! Ah non, pas comme ça, Zinedine! Non, pas comme ça! Tu étais l'espoir! Tu étais comme un frère pour moi! Mais non! Pas le blocage, pas le bug du pied dans la 3D. Ah ah, oh oh oh. C'est bon, je gère. Ne vous inquiétez pas. Je gère tout. Ah, ils sont fermés? Ah, ok. Ouais. Non mais là en plus j'essaie de vraiment suivre le chemin, je fais pas mon kéké. Hein. J'essaie vraiment de suivre mon chemin, je serais très déçu d'être bloqué. Là je vous donne la full experience. Ah. Allô? La full experience. Lascaux 4, je l'ai visité il y a 2 ans. J'ai un oncle qui habite la commune juste à côté. Ah, alors il y a des tickets gratos.
Les ambiances sonores. Oui, je pense que c'est les ambiances sonores ce soir. Putain, il y a des trucs sympas hein, dans les ambiances là qu'ils ont mises. Hein. Ouais, ils ont peut-être volé à droite, à gauche les droits d'auteur, mais. Oula, ça s'affiche au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que ça hein. Colonne vertébrale. Nice. Ah. Oh. Il y a les Earthface. Non. Ah oui, là par contre, j'ai pas de choix. Il y a une maison. Ah, il est là-bas. Regardez. Ah, j'ai plus l'appareil photo. Dégueulasse. Quoi? Attends, mais. Mais je suis où? Je suis dans quoi? Je prends des dégâts là? Mais j'ai rien fait. Laisse-moi prendre, au moins prendre la. Quoi? Le jeu il m'a pas fait démarrer. Attendez. J'essaie de gratter le jeu là. Avec la vision là. Parce que c'est un FPS donc on peut. Voilà, on peut gratter. On peut gratter en regardant vers le haut ou vers le bas. Prends ça, prends ça. Je sais pas. J'sais... Ok. Il y a toujours le symbole, genre. Ah putain, il est en train de me rappeler ce dos là, allez là. Il est en train de me rappeler le dos là, avec... il est en train de me faire un massage avec la tronçonneuse. Allez. Hey. Ah, s'il te plaît, le jeu. Oh là là, je suis déjà à la barre d'endurance dans le rouge là. Je contrôle encore un. Un asthmatique là. Quoi? Je vois même pas ce que c'est. Je vois même pas ce qui m'attaque. Essayez de déconcer dans les murs. Allez, dis-moi que le. Quelle. Merde! Et dire qu'elle. Que le chemin de l'IA c'est de la merde, mais non, il me poursuit bien. Hein. Il me colle bien au fion. Hein. Non, c'est pas tranquille. Je vois rien là! C'est quoi cette lampe torche. Play school là? C'est pas vrai. Les bruits de la maison. Mais ils me font des doigts? Ils me font des doigts là? Mais ils me font des doigts? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, j'essaie d'ouvrir la porte. Je suis en mode de clip, y'a pas de passe-ending. C'est possible ça. Quoi? Quoi? Allez, allez, allez! Ah non, il y a des noclips, j'avoue! C'est le baise. Je sais pas! Au hasard! À gauche! Tout va bien, la tronçonneuse est pas allumée, c'est vrai! Il me met des coups de. Il me met des coups de fer en fait, il me met des coups de tronçonneuse non allumée dans le dos. Ce qui ne sert à rien, hein, je. Ah, je vois plus rien, parce que... Mais regardez ça, la lampe torche, elle sert à rien. C'est de la merde. Bon, y'a rien ici, hein. Je reviens rien. Ah, j'ai un PV. Ah. Bon passage de chiasse ici, hein, quand même. Petite chiasse, là. Ouais, je sais que j'ai plus de piles, mais déjà, avant d'avoir des... Même en ayant des piles, c'était de la merde. Oh, oh, attendez, peut-être que je peux échapper. Ah oh, oui. Il sait pas grimper. D'accord. Il peut pas nos clips à travers les chiens. C'est bon. C'est bon, tranquille. Les mecs ils se sont dit bon, c'est pas grave, il va passer le reste du jeu dans le noir. À coller les rebords pour trouver la sortie. Ça va bien se passer. Je sens que ce jeu-là, je vais y passer 2 heures et 1 minute et je pourrais pas demander un remboursement.
Est-ce que je suis con et que j'ai voulu arriver au début? Je vais voir le niveau 3, ne meurs pas. C'est ça le niveau 3 déjà. Tu vas voir le niveau 4. Moi aussi je veux le voir, mais je sens que c'est... C'est difficile. Ah ah ah! Niveau 4! Trop fort. Non, j'ai plus la vision nocturne, j'ai tout perdu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Matrix! Faut que je me cache dans les bureaux. Bonjour. Find the key. Oh là là là! Maintenant, faut choper des objets. Ah non. Ah non, on était bien là. On n'avait pas besoin d'objets, c'était bien. C'était bien. On n'avait pas besoin d'objets. Et je propose qu'on mette ce jeu à tondeuse. J'ai toutes mes chances. Ah, ah, oh, la grosse clé. La grosse clé. C'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que ça allait commencer à être un jeu de cache... De cache-cache avec les objets. Il y en a 7. Comment t'es aussi bien au courant, toi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'attaque? Mais... Je me fais bastonner par un... Enfin, un reste de squelette. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, apparemment, il y a des urnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Des urnes de l'Antiquité. Non, mais c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Le jeu, en fait, il... En fait, le jeu, il est rigolo. Le jeu est quand même rigolo. Il arrive à me surprendre avec de la merde. Oui? Non? Tu m'en pas. Putain, moi je suis le roi du FPS. Sécurité caméra? What? J'ai pas compris. Find the key. Y'a deux quais. J'ouvre Wada. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, y'a un lapin! Y'a un lapin zombie qui me poursuit. C'est lui le boss de fin. J'ai plus ma lampe torche? Non, j'ai plus ma lampe torche. Ah, là? J'ai pas Wada. Tiens. Waouh waouh waouh, ça me touche à travers les murs. Dégueulasse. Attendez, ça pourrait être une idée s'il tombe pas en panne comme la mienne. Ah ouais. Dommage. Attends, mais là je suis obligé de me faire avoir là. Mais attends, le couloir là, y a pas la place. Mais casse-toi là. Faut que je passe. Hop là. Ah oui, c'est radical quand même. En fait, on a tout... C'est un petit peu... Attention, je vais spoil. Mettez les mains sur vos oreilles, je vais spoil. C'est un petit peu comme le film The Descent. En fait, on était toujours dans la grotte depuis le début. Tout ça, c'est notre tête. On n'est jamais sorti de la grotte. Quoi? Un nouvel item dans votre inventaire. Hein? Item, attends, il m'envoie des trucs, le jeu? Le jeu m'envoie des trucs. Le seum. Ah ouais, Project First Contact. Je viens de récupérer une carte, j'ai joué une heure au jeu. 7 niveaux dans la description du jeu. On va voir. Ah oui, j'ai pas pris le... Il y avait un truc qu'on pouvait monter. J'espère que j'ai pris le bon chemin. Ah si si, il y a un twist de ouf, Zelant à la fin. Je suis mort? J'ai même pas remarqué, je perdais de la vie. Je suis allé de la vie parce que je devais pas être sur le bon chemin en fait. Dégueulasse. Le jeu il fait des pranks. Ah, ouvert la porte. Non. Ah, il a ouvert la porte mais il s'est pas passé par l'arcade de la porte. C'est pas pareil. Ça va. Tout va bien. Il est vers la porte, mais bon, ça s'arrête là. L'IA s'arrête là. Ah, y'a un truc ici. Apparemment, je peux le toucher. T'as lui, il a un canapé, lui. Il s'y met bien, il a un canapé dans sa cellule. Si n'avait eu 9, ça aurait pu être une allégorie des enfers. C'est 9 cercles de l'enfer? C'est pas les 7 cercles de l'enfer?
Alors, on avait essayé tout droit, et si j'essaye sur le côté, ça donne quoi? Ah, c'est un autre chemin qui mène au même endroit, d'accord. Ah, où j'avais fait le tour. Ah, j'avais fait le tour en fait. Vous pensez que c'est par là? Bah non, c'est pas par là. Bah à quel moment j'ai pris des dégâts? Attendez, on va essayer d'être... Il y a deux DLC. Ouais, c'est pas les 7 cercles de l'enfer ou je suis vraiment un inculte? Les 7 péchés capitaux, non? Il y a un jeu que j'ai jamais fait qui peut être vraiment intéressant, c'est Dante. Inferno Dante, l'enfer de Dante. Il est vraiment bien. Ah, est-ce que c'est parce que j'ai marché sur un... Attends, je vais vérifier. Ah, c'est le feu, c'est le feu! What? C'est le feu! Mais... C'était même pas... Ah, il y en a 9? Ah ouais, alors je suis curieux de savoir c'est quoi les 9 cercles. Du coup. Il y en a 2, c'est... Il y en a 1, c'est le vestibule de l'enfer. Et le dernier, en fait, c'est le bureau du patron. C'est le bureau du diable. C'est ça? Ah, il y en a 9, hein, c'est ouf. Alors, c'est quoi les 9, du coup? Rien à voir avec les péchés capitaux? Je suis curieux. Je veux bien savoir. Je suis curieux. Si vous pensez qu'il y en a 9, vous avez la conviction qu'il y en a 9. Bah alors là par contre j'ai rien compris. Donc peut-être que c'est pas par là qu'il faut aller, tout simplement. Alors par contre là si comme ça tombe de merde là, ça va pas le finir. Je t'y allais où? Je vais essayer d'aller par là, là. Pour voir si on peut. Hein? Il n'y arrive pas? Il n'y arrive pas à venir. Hop là. Pas la suite, hein. Je ne sais pas. Donc la grotte, c'était vraiment un prank, en fait. La grotte avec le feu au bout. C'est un petit prank des familles. Moi je suis gaucher, hein, c'est gauche. Ah, il paraît que aller à gauche, psychologiquement, c'est plus rassurant que tenter à droite. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est des études qu'ils ont faites sur des gens stressés, des gens non stressés, j'en sais rien. J'avais entendu parler de ça. Est-ce que ça vous parle? Pourquoi dans un labyrinthe... C'est plus rassurant d'aller toujours à gauche. Mais arrêtez! Ah non, 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 faites pas chier. Oh non, ils sont trop nombreux là, ils vont. Non, je peux plus courir! D'accord. Donc c'est pas en rapport direct vraiment. Ah si, il y a quand même un peu un rapport avec les péchés capitaux. Ah, il m'a mis un coup de pied. Bon, je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est juste qu'il va falloir que je garde la stamina pour le passage de merde là. Les limbes, la luxure, la gourmandise, l'avarice, la colère, l'hérésie. C'est marrant que dans les 7 péchés capitaux, bon les limbes c'est normal, c'est l'entrée quoi. Enfin c'est un peu, enfin les limbes c'est pas l'entrée mais c'est l'endroit où tout le monde s'opère. Trahison. Trahison. Attends, les péchés capitaux, c'est quoi? C'est la gourmandise, la luxure, l'orgueil, la colère, la paresse, la luxure, je l'ai dit ou pas? Ah, je suis con, je me retouche. C'est pas ça. Alors en fait ça va de se faire toucher, la barre de vie revient en fait au fur et à mesure. Donc vaut mieux, tant qu'on a un peu d'espace et qu'il n'y a pas trop d'ennemis au cul,
Au mieux ralentir. Se prendre quelques coups, un pire des cas. Ah, genre, je me place là. Ah, il est derrière, ok. Je me disais, pourquoi il est pas là. Tiens, fin de front, Radamante. Minus. Et AQ. Mais attends, mais là, ça devient Saint Seiya, là. J'ai essayé par là. On se dit ça parce qu'en Saint Seiya, ils ont repris ça. Radamante et tout ça. Avec même les juges et tout. Des enfers. Oh, je sens que c'est encore pire ce couloir. Eh, j'ai plus de stamina. Et c'est de la merde. Et c'est de la merde. Et je vous assure, je pousse là. Je pousse. Ils ont rajouté un sexe d'enfer qui s'appelle The Void. En même temps, t'as pas menti sur la marchandise, Saster. The Void, y'a rien. C'est un abysse. Un abysse sans fond. Faudrait que je les écrive parce que je suis. Pour être sûr là. Du nom des 7 péchés capitaux. Luxure, envie, paresse, colère, gourmandise, orgueil et avarice. Ouais, c'est ça. Parce que ça correspond presque au cercle de l'enfer, oui. Sauf la trahison. Regardez comment j'avance. Je tente des manœuvres, des nouvelles stratégies. Je spamme la touche de course. Ça a l'air d'être pas mal de spammer la touche de course. Non, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc. C'est pas mal. Si je spamme comme ça. Ouais, c'est bon. Super film, hein, c'est bon. La fin, bon. C'est un film ? À la différence de Usual Suspect, finalement, c'est un film où d'un saut, où le plot twist final, c'est l'apogée du film, mais ça n'empêche que ça me dérange pas de revoir le film, même en sachant ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut dire aussi que le film, il est incroyable. La réalisation, elle est incroyable. Ça aide beaucoup. Attends, je vais attendre ici parce que... Quoi? Je prends des coups? Comment ça je prends des coups? Dégueulasse. Alors que Usual Suspect, comme tout est basé, tout le film est basé sur le plot twist final, vraiment. Bah t'es spoil quoi. Sauf c'est pareil. T'es spoil. C'est un peu... Ça change pas tout le film, c'est ça. Ce n'est que dans la continuité du film, ouais. Même si c'est un... L'apogée du film, quoi, c'est... Allez, tout le monde derrière moi. On avance, tranquillement, en espérant que c'est pas un cul-de-sac. Parce que sinon, je suis dans la merde, là. Ah, j'étais arrivé jusque-là, là. Alors là... Parce que là, si les 4 me frappent en même temps, si les 5 me frappent en même temps, ma barre de vie, elle va exploser, en fait. Ah, j'y suis. Alors, je le vois, j'y suis. Ça fait le jeu. Ça va? Ça va. Ils viennent ou pas? Non, ils viennent plus. Ok, super. Ils se intéressent de moi. Allô? Ah, zone chiante. Bah limite, Usual Suspect, la scène est tellement emblématique, la scène de fin. Elle est peut-être d'ailleurs plus emblématique, je dirais, que plus reprise et plus de même que la scène de Seven. Et du coup, c'est vrai que... Oula! Ils sont quoi? Ah, les extraterrestres! D'accord. Donc c'est vrai que... Peut-être que... Bah, le truc avec Kaiser Soze, voilà, c'est plus... Ça a plus fait tourner, quoi. Je me demande si le film Usual Suspect, à sa sortie, il a bien marché ou pas au cinéma.
Parce que moi à l'époque je l'avais pas vu au cinéma. Et je me demande. Wow! Ok. Dans un silence. La voiture la plus discrète que j'ai jamais entendue. La voiture. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Oh merde, je me suis éloigné du chemin. Je suis éloigné du chemin. Oh, le jeu est sans pitié. Putain, du chemin, il est. Quoi? Ah oui, c'est très brillant, c'est très, très bien écrit. C'était tellement. C'est tellement entré dans la. Dans, je dirais dans la pop culture que. Dans le cinéma que. C'était repris. Il y a eu des parodies, des mèmes, des trucs. La voiture assassin silencieuse. Ouais, mais t'as vu ça? Putain, la vache, tu regardes à ta gauche, tu regardes à ta droite, paf, et t'as tué quoi. Tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas entendu ni vu venir. Elle tombe du plafond, elle tombe du ciel. Dra. Et ça va. Wouh! Bon, je reste sur le chemin parce qu'apparemment le jeu il aime pas trop que j'explore. Ça, il me l'a bien fait comprendre. Waouh! Ouais, j'ai pris des dégâts. Ah ouais, d'accord. Attends, faut que je fasse gaffe quand même. On voit rien là. Il va y avoir des loups. Je récupère ou pas? Je récupère pas ma barre de vie. Dégueulasse. Pas là. C'est un peu cheapos quand même de te faire perdre ta barre de vie quand tu cherches ton chemin. C'est reparti pour la maison hantée. Putain, je me bloque dans les. Je vous assure, je me bloque dans le. Putain, je me bloque dans le décor. Au secours. Il y a des petits bruits un peu à la Vendredi 13, si vous connaissez la série de films. Ça fait tchut tchut tchut. Bon, je le fais mal. Vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Tu bloques, c'est une hallucination. C'est dans ta tête. Ils t'ont prévenu au début du jeu. Bah, c'était comment ce petit Night Cry qui a très mauvaise réputation, ça se tourne. Mais j'ai mon écran, je suis tordu. En fait, c'est moi qui ai tordu, c'est pas le décor. C'est mon personnage, il est tordu. Un peu penché, oui, hop. C'est un peu comme les nanomachines dans MGS. C'est-à-dire, c'est de la merde. Ça sert à rien, c'est ça. Ça sert à rien. Ça fait quand même. Enfin, c'est quand même. C'est quand même comment le. Faut entrer dans le dedans. C'est quand même faisant partie. Enfin, fortement inspiré, parce qu'il ne fait pas partie. De la série des. Et des Je suis baisé. Des Clock Tower, quoi. Night Cry. T'es sérieux le jeu? Non. Mais non. Mais non, je me suis pris la porte de l'hélico là. Mais c'est pas vrai. Et je suis sûr qu'il n'y a pas de checkpoint. Enfin, ah, le jeu? Quoi? Mais non, mais pars pas sans moi! Don't go! No! Don't go! Quoi? Il se passe quoi? Ah! Il considère que je suis dedans? Il considère que je suis dans le véhicule? Qu'est-ce qui se passe? Il considère que je suis dedans. Oh, hé! Hey,
Bravo. Eh hey. Eh hey. Le jeu, c'est bon. Je suis dedans, voilà. Il est considéré que j'étais dedans, je suis dedans. Eh hein. Hey, le jeu, il est mieux fait que les triple A où t'as un bug et t'es bloqué. Hein. Ouais. Tout va bien. Vous avez rien vu. Alors, est-ce qu'on va à Black Mesa? Dans le désert du Nevada? Au moment du crash, il tombera moins haut. Allez, mon TP dedans. Vous imaginez s'il y a Black Mesa à la fin, là? Par contre, j'ai rien compris au scénario. Hein. Si vous avez compris, vous me dites. Waouh, ici. Putain, ici bien garé, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le début d'Opposing Force. Oui, t'arrives en hélico, mais ça s'arrête là, la comparaison. Voilà. Là, je fais poursuivre. Là, ça me rappelle un jeu thaïlandais que j'ai fait. Je fais poursuivre par une tête qui vole. Tu l'as fait, Sester Home Sweet Home ou pas? Il est vraiment pas mal. Oh, il y a de l'argent. Il a pas du gain. Wouah, je me suis fait pourrir. Regarde ma barre de vie. Je me suis fait pourrir, il a pas du gain. Bah voilà. Ouais, j'avais bien aimé Home Sweet Home. Ah, surtout la deuxième partie en fait qui complétait la première. La Terre est envahie par les lapinous de l'espace. Eh, je sais pas s'il y a un synopsis. Ouais, je pense que c'est lapinou de l'espace, en effet. J'ai aucune idée de ce que je fous là. Ah, mais par contre, eux ils vont me bouffer le fion quand je suis sur l'échelle, non? Non. Capte-toi bien le jeu! Ah, il faut que je remonte maintenant? Au secours. C'est la zone. C'est la zone 49. Tu veux dire la zone 51? Non, la zone 49. Mais on se parle. Je suis en train de faire des. Je suis en train de tourner en rond. J'ai le sentiment de tourner en rond. Ah ah ah. Il y a de l'avancement dans la quête. C'est un centre de tir. J'ai pas à me faire tirer dessus. Voilà. Je me planque. J'attends que ma barre de vie revienne. Elle revient pas à ma barre de vie, hein. Depuis le niveau d'avant, elle revient pas à ma barre de vie, hein. J'ai l'impression. Je suis quand même un peu deg parce que je pensais que j'allais pouvoir avoir une tronçonneuse, un truc comme ça, et en fait, c'est les ennemis qui ont des armes. Enfin bon, en même temps, les ennemis savent pas l'utiliser. Ils auraient dû... Good job. Ah. Bon boulot. Quoi? Comment ça, bon boulot? Il y avait... J'ai choisi français tout à l'heure? Vous avez trouvé le cœur de la reine alien. Il y a toutes les langues. Maintenant, le monde devrait aller mieux, merci. Ah, c'est la fin? Vous allez entrer dans les livres d'histoire. Un jeu développé par Christian Manalulachi. Un adolescent d'une Republica Moldave. Ah, mais dommage, il a mal écrit à la fin. C'est dommage. Pour plus d'informations, suivez-moi sur Steam, Facebook, Instagram ou Twitter. Eh, pas mal, il est connecté. Il m'a fait un petit smiley. À la fin. Ah non, j'ai pas choisi la langue en fait. J'ai l'impression, non ?